Un vent de liberté souffle sur la Comté, les amis. Et oui, l'heure est venue pour nous de revenir sur la toile. Encouragé par l'énorme succès du Maillon de la Liberté, nous avons donné naissance à d'autres projets. Une association, mais aussi un site internet, des activités, des ateliers médias, un média citoyen et une aventure musicale hors du commun. On va vous parler de ça tout de suite. On a rencontré Louis Fouché pour en parler. Il faisait un soleil merveilleux ce jour-là. On va faire ça en deux vidéos. Et la première, c'est tout de suite. Qu'est-ce que tu as le plus mal vécu au quotidien ? La privation de liberté, honnêtement. Le fait qu'on doive mentir et faire des choses illégales finalement, qui sont normalement normales. Franchement, honnêtement, moi j'ai un grave problème avec la culture de nos jours. Je trouve que c'est vraiment juste pour l'argent. Et c'est pareil aussi, les films, la musique, c'est fait vraiment juste pour que les gens ils écoutent en boucle. En fait, l'idée, ce serait pas de refaire société, justement. C'est pas ça qu'il faudrait faire. Si, totalement. Nous, on a acheté un terrain en Allemagne pour faire un éco-village et pour être vraiment indépendant et ne plus dépendre d'un système où on n'a plus de liberté, quoi. Alors c'est compliqué, mais c'est maintenant qu'il faut agir et réfléchir à l'avenir parce qu'on n'a plus le temps, en fait. Nous, c'est vraiment, on veut, c'est pas changer le monde, c'est l'améliorer, vraiment. Donc on va prendre tout ce qui était bien avant et on va enlever tous les points négatifs, on va essayer de résoudre. Nous, on cherche vraiment à trouver des solutions pour avancer. Nous, c'est avancer, c'est pas revenir repasser, nous, c'est avancer. Il y a plusieurs dimensions qui me rendent fier d'être le parrain de liberté parce que, et heureux parce que finalement, c'est ce dont on avait rêvé avec un faux Covid, c'est d'arriver ensuite à élaborer une sorte de mise en résonance des récits positifs. C'est-à-dire de mettre tous ceux qui racontent une histoire désirable, les mettre ensemble et permettre que petit à petit leur voix se fasse entendre et que le récit de la fin du monde, du transhumanisme, petit à petit prenne de moins en moins de place et que le récit du réel qui se passe là tous les jours autour de nous, lui, prenne de plus en plus de volume. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour parler de liberté, liberté avec un grand L et un petit R, R comme résilience et renouveau. On est en bonne compagnie puisque on a avec nous aujourd'hui Louis Fouché. La plupart d'entre vous le connaissent, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est médecin, il a été médecin anesthésiste réanimateur à Marseille pendant 15 ans. Aujourd'hui, il est plus connu pour sa vision d'un nouveau monde. Il parle d'un autre monde. Il est agrégé de philosophie. Il a écrit un ouvrage intitulé « Tous résistants dans l'âme ». On est très fiers qu'il soit avec nous parce qu'on se reconnaît sur ses valeurs humanistes. Il a soutenu, aidé et développé avec nous le projet Liberté depuis le début et fidèle parmi les fidèles. Il est encore là aujourd'hui. Bonjour Louis. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir. Effectivement, on peut faire des études pendant de longues années et puis se retrouver à faire autre chose après. Voilà, c'est la plasticité de l'humain, d'être capable de rebondir dans n'importe quelle situation, à n'importe quelle crise. J'ai fait de la réanimation et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de contempler, de voir émerger et d'aider autant que je peux à faire passer le message de tous ces collectifs qui s'organisent pour bâtir autre chose, un autre nous, une autre façon de faire société ensemble. Merci en tout cas d'être là. On va faire un petit retour sur le Maillon de la Liberté. On doit dire qu'en fait, on ne s'attendait pas à un accueil aussi chaleureux que celui qu'on a rencontré. On ne s'imaginait pas avoir un tel déferlement de demandes, de mails. On est à la base un petit collectif qui était volontaire, mais évidemment qui ne s'était pas projeté dans ce qui allait lui arriver. Donc on a assumé comme on a pu. Et on est assez content parce que c'est gratifiant. On a reçu, pour vous donner une idée, à peu près 3200 mails en 3 mois. On a eu des demandes venant de différents pays, évidemment la France, la Belgique, mais aussi l'Espagne, l'Italie, la Serbie, la Hollande, l'Allemagne, la Nouvelle-Calédonie. Enfin voilà,
On était très heureux que par milliers, vous vous reconnaissiez dans la démarche. L'idée, rappelez-vous, était de créer un signe de reconnaissance, matérialisé sous la forme d'un logo que chacun puisse arborer à sa manière, badge ou autre, et qui signifie, pour créer un monde différent, plus humain, nous devons aller les uns vers les autres. Si tu as envie de parler de demain, moi aussi, parlons-en, écoutons-nous, faisons connaissance. Au début de l'histoire, un triste constat. Nous nous éloignons dangereusement les uns des autres. Le système a fait de nous des individualistes qui ne voient plus dans l'autre qu'un moyen d'exister. On se connecte, on se numérise, on s'utilise, on se consomme, un avatar, un biais au passage, et hop, delete. Voilà soudain que ce système nous demande de rester chez nous, fermant portes et fenêtres, brisant au passage ce dernier et fragile lien qui nous maintenait encore en contact. En vie, quoi. Beaucoup d'entre nous ressentent ce besoin de parler, mais les visages sont fermés. La peur est partout. Nous sommes des milliards, mais nous sommes seuls, chacun dans sa bulle. Germe alors une idée de fou, créer un signe qui permette simplement à ceux qui veulent briser la glace de se reconnaître, pour réapprendre à se parler sans crainte, à se regarder avec bienveillance, à échanger sans rien marchander, à rire, à aimer, à vivre quoi. Un signe qui dise combien notre humanité est ce qui nous différencie à la fois de la bête et de la machine. Comme par magie, alors la vie reprend le dessus. L'enthousiasme est là, le défi est énorme, on relève les manches. On fait face aux frileux, aux grincheux, aux sceptiques, aux rabat-joies de tout poil. Et jamais, on ne se décourage. On n'a pas un sou, mais on s'en fout. On fera sans argent, rien ne nous arrêtera. C'est maintenant ou jamais, on donnera tout et sans compter. On décide de passer les frontières. Un petit docteur de Marseille nous répond. Bonne nouvelle, la France est avec nous. Il faut créer un signe à la hauteur de la mission qu'on s'est fixée. Une image qui rassemble et qui rayonne. Chacun se donne et quelques-uns s'offrent sans compter pour la cause. On s'accroche, on y est presque. Yes! Le maillon de la liberté est né. On est heureux, mais ça ne fait que commencer. Le succès est foudroyant et immédiat. Les demandes pleuvent, les mails aussi, on nous écrit de partout. Les gens sont enthousiastes et merveilleux à la fois. Les retours sont extraordinaires. Le maillon est une incroyable réussite. Et nous sommes dépassés. Alors sans foi, on se ressaisit, on reprend courage. Il faut prendre espoir. On fait ça pour l'autre, mais l'autre, c'est aussi l'impatience, le doute et parfois même la trahison. On s'en fout, parce que par-dessus tout, reste ce besoin de donner. Là, au fond de nous, la certitude de participer à quelque chose de grand, de plus grand que nous. Quelque chose de bien, quelque chose qui nous dépasse. Jamais, nous n'avons abandonné. Vous ne me croyez pas, hein ? Pourtant, tout ça est arrivé. Liberté a pris son envol, symbole de l'effet papillon, prouvant simplement qu'il suffit d'un rien et de quelques-uns pour que tout reste possible. Merci d'être de cela. L'idée était de créer du lien. On a eu énormément de retours positifs. Vous vous en êtes donné à cœur joie et vous vous êtes montré très créatif en téléchargeant le fichier qui était disponible et qui est toujours d'ailleurs disponible en open source sur le site et en réalisant vos propres maillons de la liberté. Et on a avec nous Myriam. Bonjour Myriam. Oui, bonjour Vincent. Qui va nous parler de sa propre expérience liberté, puisque tu nous as rejoint à un moment donné. Comment as-tu vécu cette aventure ? Oui, eh bien, dès le début, en fait, j'ai vraiment senti cette énergie vivante qui s'activait, qui prenait son naturel, en fait, dans le mouvement Liberté. Et donc, les premiers mois furent vraiment cette expérience bénévole d'être au carrefour, en fait, de ce passage des maillons entre la France, la Belgique et les autres pays. Et c'était vraiment des moments très forts, très, très dynamisants, très enthousiasmants, de sentir tous ces cœurs battre là, partout. Et donc, c'était vraiment super. Oui, il y avait une valeur symbolique hein, derrière tout ça, on sentait bien qu'il se passait quelque chose d'important. Il y avait cette valeur symbolique du maillon et puis cette valeur vibratoire aussi du lien qui se crée et que cette énergie qui s'activait là tout à fait naturellement. Et donc j'ai envie de témoigner que pour moi justement liberté c'est ça, c'est ce naturel, c'est cette authenticité, c'est cette bienveillance en fait pour le lien, pour créer du lien.
et pour permettre le lien. Et que bah, pour moi, c'est une force universelle, en fait, vivante, qui, au-delà des personnalités, vient nous inviter, vient nous chercher humainement, socialement, à justement se reconnaître les uns les autres, s'assembler les uns les autres, dans le vivant, dans le simple, dans le joyeux aussi. On vous parlera de différents projets qui sont mis en route et on vous en parlera à la fin de la vidéo. Et donc voilà, dans le sacré aussi. Et donc l'aventure Liberté est vraiment très enthousiasmante. On reste ensemble. On reste ensemble, absolument. Bon, voilà. C'est vrai que les retours ont été excellents et très nombreux dans ce sens-là. On a même eu un groupe qui vient du Sud, un groupe, je pense que c'est du côté de Marseille, justement, Louis, qui s'appelle le groupe Duo et qui a créé un morceau pour l'occasion et qui nous a même gratifié d'un clip. Donc je vous propose quelques images et vous retrouverez l'intégralité du morceau sur le clip. Voilà, merci à eux. Le pourquoi de cette chanson-là, voilà la raison. Ne pas donner son opinion, ben c'est bidon, participant. Laisser faire les choses, tranquille, sans s'en mêler, c'est le moyen parfait, ouais, pour tout gâcher. Votre futur vous appartient, c'est votre destin. C'est trop sérieux pour lâcher la barre. C'est pas serein. Participer à l'histoire, ben, c'est plus malin. C'est sûr qu'il n'y a pas de gloire dans le chagrin. Maintenant, avant de vous parler de tout ce que sera Liberté demain et de tout ce qu'on a mis en place depuis lors, on aimerait mettre en avant ceux qui, parmi nous, ne sont pas les plus audibles ni les plus visibles. Qu'est-ce que tu penses justement, Louis, du rôle des jeunes? Moi, je suis assez touché par le fait que des jeunes se mettent en action. On se réunit autour de la France dans plein de collectifs. Il y a des associations qui se créent, il y a des conférences qui sont menées, il y a un très grand nombre de ciné-débats qui sont projetés. Et souvent, les gens qui sont là déplorent le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de jeunes. Ils disent « ils sont où les jeunes? Qu'est-ce qui se passe ?» quoi. Et ils sont là. Donc ça fait plaisir. Et ma réponse, ça a souvent été heureusement que les jeunes, ils ont d'autres préoccupations que le monde qui va dans le mur, etc. Que c'est le printemps, peut-être ils cherchent à se retrouver, à se bécoter, et tant mieux quoi. Finalement, moi j'ai l'espoir que maintenant justement les gens ils se soient réunis pour à cause du Covid, on pourrait dire, ou grâce au Covid, et ils se soient retrouvés à ce moment-là comme un prétexte, on pourrait dire négatif. Et que maintenant, on soit dans ce moment-là où on transforme ce prétexte négatif en autre chose. Exactement. On en veut pour preuve un collectif de jeunes qu'on avait rencontré il y a quelques mois à Bruxelles et avec lequel on se retrouve sur la nécessité de mettre en place un monde différent qui nous ressemble. Voilà d'ailleurs les images de notre rencontre. Ici, on est à Bruxelles rassemblés. Il y a beaucoup de gens, beaucoup plus que d'habitude. Et visiblement, ce qui rassemble les gens aujourd'hui, c'est le thème de la liberté. D'accord, vous semblez être un peu préoccupé par le sujet. Qui êtes-vous exactement? Pourquoi est-ce que vous êtes là? Alors nous, on est un collectif qui s'appelle Jeunesse pour la Liberté. On peut nous retrouver sur Facebook et sur Instagram. On a aussi un groupe de discussion sur Telegram, uniquement réservé aux jeunes, pour les jeunes qui sont en difficulté. Donc en fait, nous, on va vers les jeunes, on essaye de tous se rassembler. Parce que comme vous voyez ici, c'est surtout des adultes ou des petits-enfants. Il n'y a pas vraiment énormément d'adolescents. Et en fait, nous, c'est notre but, en fait. On essaie de rassembler les jeunes. On fait des soirées, des actions pour se retrouver, pour essayer un peu de sortir surtout sortir de la peur. Mais d'un point de vue général, la liberté aujourd'hui, vous la voyez comment? À votre âge, qu'est-ce que vous imaginez pour demain? Imaginons qu'on vous laisse prendre les choses en main, qu'est-ce que vous proposeriez comme modèle? Déjà, c'est la même chose pour tout le monde, premièrement, parce qu'ici, là, certains ont plus de choses, accès à plus de choses que d'autres. Respecter aussi, deuxièmement, les libertés fondamentales. On n'a plus le droit de se déplacer comme avant, actuellement, et la liberté de se déplacer, c'est une liberté fondamentale. On n'a plus le droit de dire tout ce qu'on veut aussi dans les médias mainstream, etc. La liberté d'expression, c'est fondamental aussi. Pour moi, c'est récupérer toutes nos libertés fondamentales et avoir tous les mêmes libertés. En fait, l'idée, ce serait pas de refaire société, justement. C'est pas ça qu'il faudrait faire. Si, totalement. Nous, on a acheté un terrain en Allemagne pour faire un éco-village et pour être vraiment indépendant et ne plus dépendre d'un système où on n'a plus de liberté, quoi.
Alors c'est compliqué, mais c'est maintenant qu'il faut agir et réfléchir à l'avenir parce qu'on n'a plus le temps en fait. Vous ne pensez pas que quelque part ce qui se passe pour l'instant va nous donner une occasion d'aller chercher le meilleur qu'on a en nous, que peut-être on n'aurait pas été chercher dans d'autres circonstances plus favorables, et que donc ça va nous obliger à faire preuve d'imagination comme jamais? En fait, je trouve que oui, parce que en fait, la situation qu'on vit actuellement, en fait, elle touche tellement de gens dans le monde qu'en fait, il n'y a plus de retour en arrière. En fait, même si le Covid se termine, on ne peut pas oublier ce qui s'est passé. Et de toute façon, il n'y aura que des bonnes choses qui vont se passer par après. Se rassembler surtout, vraiment s'unir et se trouver entre nous, faire des groupes et vraiment trouver les gens qui veulent sortir de tout ça, quoi. Nous, on ne pense pas du tout qu'après le Covid, ça... En fait, nous, on aspire pas du tout à une vie comme avant, en fait. Parce qu'on a vraiment compris pas mal de choses de comment fonctionne le monde maintenant, avec cette crise. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment... Si ce monde-là ne nous accepte pas, c'est vivre en dehors de ce monde. C'est créer totalement une autre société qui serait basée sur la liberté, mais sur, comme l'a dit Alex, c'est l'autosuffisance, tout ça. Donc, c'est vraiment pas... on veut retrouver notre vie d'avant. Nous, c'est vraiment... On veut, c'est pas changer le monde, c'est l'améliorer vraiment. Donc on va prendre tout ce qui était bien avant et on va enlever tous les points négatifs, on va essayer de résoudre. Nous, on cherche vraiment à trouver des solutions pour avancer. Nous, c'est avancer, c'est pas revenir au passé, nous, c'est avancer, vraiment. En quelque sorte, c'est réenchanter le monde, c'est ça que vous voudriez. Voilà. De toute façon, tout va changer. Et comme a dit Alex, il faut qu'on retrouve cette autonomie, genre qu'on vive en communauté et que si la ville ne veut plus de nous, bah tant pis, bah, on trouve une solution quoi. Et vous pouvez pas, vous pensez pas que vous pourriez faire exemple en fait finalement, même si dans un premier temps bah, vous avez un petit sentiment d'exclusion, que ça pourrait être finalement un phare pour les autres et que du coup ça donnerait des idées plus larges quoi. Est-ce que vous pourriez pas être représentatif de quelque chose de nouveau et de quelque chose de vraiment... exceptionnel et tentant en soi quoi. C'est pour ça qu'on a créé ce collectif, voilà. La Jeunesse pour la Liberté. C'est pour montrer l'exemple aux jeunes, montrer qu'on n'est pas seul. Ils sont déjà pas tout seuls, voilà. C'est ça, c'est très important pour nous parce que beaucoup de jeunes nous ont rejoints en croyant qu'ils étaient seuls, alors que ce n'était pas le cas. C'est pour ça vraiment qu'on a créé ce collectif, c'est pour s'unir, montrer d'exemple et œuvrer ensemble pour un monde meilleur. Eh bien, je vous souhaite de rayonner un maximum. Merci beaucoup. Tu peux nous raconter, Alexandre, comment vous en êtes arrivé en fait à vous rassembler et à créer ce collectif à ce moment-là? Oui, bien sûr. Du coup, moi, à la base, j'étais un jeune comme les autres qui vivait cette crise, les confinements, etc. Et j'ai remarqué un besoin des jeunes de se réunir. Et pas mal de jeunes se plaignaient de ne pas avoir la possibilité de rencontrer, de sortir, de rencontrer d'autres jeunes, etc. Donc moi j'ai eu l'idée, avec d'autres amis à moi, de créer un collectif qui s'appelait La Jeunesse pour la Liberté. Ce collectif avait pour but de réunir un maximum de jeunes, leur donner l'opportunité de parler, de communiquer entre eux librement et sans contrainte. J'ai pour cela commencé à créer un groupe Telegram libre d'accès, la seule instruction était qu'ils soient jeunes, même si la jeunesse est difficile à définir. Voilà, on a fait au possible. On a réuni pas mal de jeunes quand même. On a été jusqu'à 250 jeunes dans ce groupe qui communiquaient chacun quand il le voulait, librement, de ce dont il voulait. Vraiment, les sujets n'étaient pas seulement liés à la crise, ils étaient assez vastes, mais ça permettait à pas mal de jeunes de communiquer librement. Mmh. On a aussi organisé des activités permettant aux jeunes d'avoir une information différente de celle habituelle. Et qu'est-ce que tu gardes de tout ça aujourd'hui, en fait, le temps a passé maintenant? Moi, je suis assez fier de ce que ça a donné. Il y a quand même pas mal de jeunes qui nous ont suivis et qui nous ont donné de bons retours. Ça, c'est ce qui m'a vraiment plu le plus. Surtout, ce qui a eu le plus de succès, c'est notre groupe Telegram. Même si les jeunes ne se voyaient pas nécessairement en vrai, ça leur permettait de communiquer librement et ça, c'était important pour eux. Voilà, notre but était assez limité parce que voilà, il était dans le cadre de la crise. Ce collectif s'est créé dans la crise, donc il est fort en lien avec ceci. Ce qui, moi, ne m'intéresse plus à l'heure actuelle, je cherche vraiment à être dans l'avenir, dans le demain et dans la construction d'un avenir meilleur pour nous tous. Et j'espère du coup recréer quelque chose de concret à ce niveau-là avec d'autres jeunes. Justement, l'idée aujourd'hui, c'est de penser à demain. C'est ce qui nous réunit. Comment peut-on imaginer un monde différent dans lequel on se retrouve un peu tous? Quel est ton avis sur la question, Louis?
On a envie que ces groupes humains qui se sont retrouvés, ils se mettent à construire ensemble. Et la Jeunesse pour la Liberté ou d'autres, je vois qu'ils commencent à construire. À Lyon, j'ai intéressé à essayer de trouver quelles étaient les formations où il n'y avait pas de passe. Et donc, ils ont fait un registre, tous ensemble, de qu'est-ce qu'on peut faire, quoi, comme étude, qu'est-ce qu'on peut faire comme boulot. Et on s'est rendu compte que les études qui étaient accessibles, en fait, c'était les plus intéressantes. C'était des vrais métiers d'artisans où on construit vraiment des choses. C'est les métiers dont on a besoin. Par contre, tous les métiers à la con, où il s'agit toujours de vendre plus de téléphones portables, d'optimiser des process, etc., à eux, c'était hyper contraint, quoi. Pour faire le moindre stage, t'avais besoin de, en permanence, d'être, de te soumettre. Ça a été une des premières initiatives du groupe de jeunes à Lyon. Et il y a plein d'autres initiatives qui sont en train de se créer. Moi, je l'ai pu voir juste à côté d'un endroit qui s'appelle Saint-Jouard-en-Valdaine, dans le centre de la France, un peu du côté de Chambéry, etc., du côté des Alpes. Des jeunes qui sont en train de faire une ressourcerie et une recyclerie. Alors, ça veut dire qu'ils reprennent des vieux morceaux du monde, et beaucoup des morceaux de charpente, tu vois, des morceaux de bois, et puis ils les retaillent, ils les refont comme il faut, et ils refont des maisons, ils refont des charpentes. Je trouve ça hyper symbolique. Ça veut dire qu'ils reprennent les morceaux de notre système qui est en train de s'effondrer pour rebâtir quelque chose de sympa. Et une des premières choses qu'ils ont bâties dans leur local, à l'intérieur de l'endroit où il y a tout le merdier qui stocke, c'est un bateau pirate. Parce que comme si c'était des pirates qui étaient en train de parcourir les mers. Puis la deuxième chose qui a été bâtie juste à côté, puis qui était déjà présente dès le départ, c'est une brasserie et un bar. Et ça, je crois qu'on a vraiment c'est pas pour pousser à boire, hein, bien sûr. Je reste avec mon côté de médecin, attention à l'alcool, bien sûr. Mais on a besoin de lieux de convivialité où se retrouver en vrai, et pas seulement sur des fils Telegram. Donc là, on a pu voir les images de la manifestation et tout ça. Pour moi, c'est vachement plus touchant que tous les fils Telegram qui peuvent exister au monde. C'est quand les humains se retrouvent. Un autre collectif avec nous, dont on a fait connaissance aussi en manif, c'était aussi à Bruxelles. C'est un collectif étudiant, en fait. On a ici Léa et Maïna qui vont nous en dire deux mots. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous rassembler, à vous retrouver, en fait, et à décider de vous mettre en action? Oui, alors nous, voilà, c'était vraiment, on se rendait compte que on pouvait plus thématiser certains sujets en fait à l'université, et donc on avait vraiment eu cette envie en fait de créer un lieu où des personnes puissent venir et s'exprimer librement sur ces sujets-là de la société. Donc c'est comme ça que ça a commencé, et il y avait aussi une seconde volonté, c'était aussi de se mettre en lien en fait, parce que voilà, ça faisait depuis un an qu'on pouvait, plus se voir, et notre volonté, c'était dans notre ville de créer des lieux de convivialité mais éloignés du numérique, également parce que le numérique était présent partout. Quand on parlait même de nos problèmes avec nos professeurs, etc., du fait qu'on soit isolés, etc., ils disaient retrouvez-vous sur Zoom, et nous en fait on voulait sortir de tout ça et on voulait se voir en vrai. Mais je sais pas toi comment tu l'as ressenti, mais je sais pas. Peut-être pour dire, on a aussi la chance en fait d'avoir eu le luxe quelque part d'accorder du temps à ça. Enfin, nos parents nous soutiennent dans nos études, on avait du temps libre et on l'a mis, du coup, on a mis ce temps libre à disposition pour réfléchir. Mais c'était, il y a beaucoup d'étudiants pour qui c'était dur. À Liège, les étudiants sont précarisés, et c'est pas seulement le cas en Belgique, hein, ça se retrouve un peu dans plusieurs pays. Et donc voilà, c'était aussi une chance de pouvoir justement prendre ce temps de la réflexion. Et on a vu que beaucoup de gens partageaient nos opinions, mais qu'ils n'avaient pas forcément les ressources de lutter. Ils avaient des jobs étudiants. Nous, ça faisait sens. Et on invitait tous ceux à qui ça a donné du sens de nous rejoindre avec les ressources de temps matériel qu'ils avaient à disposition, quoi. Vous avez organisé des choses assez sympas d'ailleurs, hein. On vous avait rencontré à Liège en particulier, à un endroit qui s'appelle la Casa Nicaragua, où vous faisiez la fête ensemble et vous faisiez de la musique. Donc je propose qu'on voit quelques images. Passé des moments un petit peu difficiles ces derniers temps pour tout le monde.
Qu'est-ce qui était le plus difficile à vivre pour toi? Qu'est-ce que tu as le plus mal vécu ces deux dernières années, en fait, au quotidien? La privation de liberté, honnêtement. Le fait qu'on doive mentir et faire des choses illégales, finalement, qui sont normalement normales. Comme? Comme sortir de chez soi, rien que ça, à plus de 10 km, ou je sais pas, sortir voir des amis, aller à des concerts, manger au restaurant. La jeunesse, d'une manière générale, tu trouves qu'elle était à la hauteur de la situation? Ou, comme beaucoup d'autres tranches d'âge, elle a eu bien du mal à faire face à ce qui s'est passé? Je crois qu'elle a eu du mal, beaucoup de mal. À quel niveau t'as vu ça, t'as ressenti ça? De la colère qu'on avait, enfin, je parle du coup de moi et mes amis, et quand on en parle, on sentait qu'on était un peu en colère contre tout ce qu'on nous interdisait, toutes nos privations, toutes les privations qu'on nous imposait. T'as quand même pu trouver un dialogue, alors des interlocuteurs avec qui échanger, tu parles de tes amis, il n'y a pas eu de fracture entre vous, de distance qui se sont créées? Non, justement je crois que ça nous a rapprochés, pendant le confinement on s'est déclenché pour se retrouver et pour passer du temps ensemble malgré tout, et je sais que j'ai pu beaucoup en parler avec mes parents qui ont vécu la même chose que moi. À quoi ressemblerait, à tes yeux, un monde idéal? Franchement, honnêtement, moi j'ai un grave problème avec la culture de nos jours. Je trouve que c'est vraiment juste pour l'argent. Et c'est pareil aussi, les films, la musique, c'est fait vraiment juste pour que les gens ils écoutent en boucle le plus possible et qu'ils consomment. Et ça, c'est un grave problème aussi. D'ailleurs, on pourrait baisser la consommation, ce serait une très bonne idée. On surconsomme. De la culture? En général. Mais de la culture aussi. On surconsomme de la culture avec les séries télé, etc., les films qui sortent. Maintenant, il y en a énormément et la qualité a baissé. J'ai même la musique, la qualité en général de la culture a vraiment baissé, puisque maintenant ça sert plus à réfléchir ou à imaginer d'autres choses. Comme avant, la musique nous faisait plus voyager, les films posaient des vraies questions pertinentes, etc. Maintenant, c'est plus le cas. La culture, c'est juste pour consommer, pour se divertir, pour oublier sa vie pendant une heure et demie, et après, on repasse sur autre chose, quoi. Ok, d'accord. Alors, comment est-ce qu'on peut proposer un modèle alternatif? Quelle culture? Comment peut-on envisager la culture pour essayer d'éviter ce genre de choses? Qu'est-ce qu'on peut proposer aux autres, aux gens, d'une manière générale, qui fabrique le consentement, enfin je veux dire en tout cas qui soit apprécié à sa mesure? Ça, c'est difficile et je pense que ça viendra plus après qu'il y ait une sorte de mouvement collectif vers une direction, comme Romane l'avait expliqué tout à l'heure, elle avait très bien expliqué, parce que moi, de ce point de vue-là, j'arrive pas trop à l'articuler. Mais alors quand elle parlait des valeurs de partage, etc., si on arrive à aller dans cette direction-là, dans ce genre de société, donc vraiment partage, mais aussi moins de consommation, enfin sous-consommation, réduire beaucoup la consommation, plus vraiment des valeurs plus humaines, alors si on arrive à se diriger vers là, je pense que ce genre de choses viendront naturellement. Voilà, on a passé des moments particulièrement critiques ces derniers temps. C'est une opportunité pour remettre en perspective les choses. Comment est-ce que tu imagines une société idéale demain? Comment pourrait-elle fonctionner? Qu'est-ce qu'on pourrait vraiment remettre en cause à tes yeux? Voilà, comment pourrais-tu imaginer les choses de manière positive? Que les gens se responsabilisent. La priorité, c'est vraiment le respect et le retour à des valeurs humaines, en fait. Et donc, c'est pour ça que la création de collectifs comme Cellule, par exemple, est vraiment, selon moi, nécessaire, parce que ça permet de refaire du lien entre les gens et de penser à ce qui compte vraiment. Parce que, voilà, quand les gens ne font pas le lien entre eux, on a l'impression, quand ils sont justement individualistes, qu'ils restent dans leur sphère, ils regardent la télé, ils pensent « Oh oui, c'est OK », ou « Ce qui est bien de faire, c'est ça, ce qui est bien aussi. » Mais en réalité, au final, on est juste en train de détruire la Terre, selon moi. Et du coup, c'est bien d'avoir des collectifs, que les gens réfléchissent entre eux.
Et grâce au collectif, donc voilà, on peut avoir plus d'écologie, mais aussi plus de participation citoyenne, donc plus de démocratie, voire même la politique. Parce que selon moi, c'est bizarre que ce soit les mêmes partis qui restent depuis des années, et de plus en plus, les jeunes se désintéressent de la politique. Donc que ce soit en France ou en Belgique, il y a énormément d'abstention, de plus en plus. Ben, au final, les gens n'iront même plus voter, et c'est bon, ils laisseront les gens décider à leur place. Voilà, c'était la première partie de cette vidéo consacrée à l'aventure Liberté. Prochainement, on se retrouve avec Louis Fouché pour parler du média citoyen, mais aussi des autres activités, notamment des balades musicales qu'on a appelées les balades des gens heureux. On vous invite d'ailleurs à ces balades. Vous pouvez vous inscrire sur www.liberté.org à l'onglet « Nos activités ». Lors de ces balades, on a rencontré Julie qui est venue avec ses propres chansons. Et une de ces chansons nous a particulièrement marqué. Elle s'appelle Crossroads. Ça correspond parfaitement à l'esprit de liberté. Vous allez comprendre pourquoi. Écoutez-la, laissez-vous porter et emporter. Bonne semaine et surtout, faites du lien, faites du bien. Crossroads, we're at the turning point. We are millions and we want to change. We're at the crossroads, we're at the turning point. Don't you worry. And will we ever be free?
Yeah. Oh.